Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre pour une nouvelle vidéo et j'étais tellement impatiente que je n'ai pas pu attendre. Du coup, je viens de recevoir le nouveau coffret de la Beautiful Box et j'avais tellement envie de découvrir le contenu avec vous que je fais la vidéo tout de suite. Alors, si vous me suivez sur ma chaîne, je prends très régulièrement les offres avec les coffrets parce que je trouve que c'est très très avantageux. Au moment où j'ai pris cette offre-là, il y avait une offre qui était super intéressante, qui comprenait la box du mois de janvier, donc la box que vous avez vue sur ma chaîne. Je vous mettrai la vidéo dans le petit et en barre d'infos si ça peut vous intéresser de voir le contenu. Il y avait également ce coffret-là, mais aussi le coffret de la précédente routine, celle que j'ai présentée il y a quelques mois. Pareil, si ça vous intéresse, je vous mettrai dans le petit et en barre d'infos. Donc, je l'ai trouvée intéressante. Le seul hic, c'est qu'il fallait s'abonner pour un an. Et je n'ai plus envie de m'abonner à la Beautiful Box sur du long terme. Je vous ai expliqué à de nombreuses reprises pourquoi. Du coup, j'ai pris l'autre offre qui est un petit peu moins intéressante puisqu'elle contient uniquement la box de janvier et ce coffret-là. Et je l'ai payé 29,90€ avec un engagement de 3 mois. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant parce qu'il y a pas mal de produits à l'intérieur. Vous allez le voir, il y a 3 routines avec 3 produits, donc ça nous fait 9 produits. Et du coup, j'ai payé entre guillemets le prix de la box de janvier. Donc je trouve que ça vaut quand même le coup. Après, l'autre est très très attrayante, mais l'abonnement derrière, voilà, il faut avoir envie de s'engager. Et j'ai eu la mauvaise surprise la semaine dernière, puisque ça a été quand même assez long à être expédié, je dirais une bonne dizaine de jours. Après, une fois que c'est expédié, c'est assez rapide. Mais du coup, j'ai été faire un petit tour sur le site pour voir si ça avait été expédié, s'il y avait eu un souci ou quoi. Et j'ai vu que cette même offre passait à 19,90€. Donc j'avais un petit peu les boules, puisque ben, il y avait quand même 10€ d'écart. Donc un petit peu déçue, je me suis peut-être un petit peu trop précipitée. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai voulu aller vérifier sur le site pour savoir à l'heure à laquelle je tourne. Donc je vous poste la vidéo aujourd'hui. Si l'offre était toujours à 19,90€, si elle était passée à 29,90€, je ne peux pas vous le dire puisque le site est actuellement en erreur. Donc j'ai essayé de mon téléphone et j'ai essayé de l'ordinateur. Il me marque erreur de serveur, donc je pense qu'il doit avoir un petit souci au niveau de leur serveur. Ça devrait revenir, je pense que quand vous allez voir cette vidéo, ça devrait être remis si ça vous intéresse. Donc je peux pas vous dire à quel prix vous pourriez l'avoir si ça vous intéresse. Donc on va découvrir le contenu ensemble puisque c'est ce qui nous intéresse. Avant de découvrir le contenu, je voulais quand même vous montrer la boîte que je trouve ma foi très jolie. Et ces boîtes-là, finalement, je les trouve quand même plus pratiques que les boîtes des box à réutiliser. Je trouve qu'elles sont plus pratiques puisque dans une armoire pour ranger des petites choses à l'intérieur, c'est plus pratique et puis elles font toutes la même taille au niveau des routines. Si comme moi vous avez l'habitude de prendre les routines Beautiful Box, je les trouve quand même assez pratiques. Et pourquoi pas même pour offrir, voilà, vu qu'il y a un petit nœud au-dessus, elle est toute mignonne. Donc je trouve que ces boîtes-là sont plus facilement réutilisables. Sinon, au niveau des routines, donc on en a 3 comme je vous le disais, une pour le corps, une pour le visage et une maquillage. Au niveau des valeurs, on en a pour 154€ et des poussières pour l'ensemble des produits. Donc c'est une belle offre, je trouve. Et on va découvrir tout de suite le contenu des routines. On commence par la routine numéro 1 qui est pour le corps. Elle a une valeur de 42,80€. Et le premier produit, c'est un savon de la marque Rhythm & Bio. Donc il se présente comme ceci. On a un format de 80 grammes à l'intérieur et c'est un savon à la mangue. Alors, on va tout de suite découvrir l'odeur pour savoir si effectivement ça sent bon la mangue. Ça sent super bon. Je pense que plus à utiliser l'été ou quand on a un petit peu nostalgique de ces odeurs d'été, ça peut être cool à utiliser. Après, moi, les savons, c'est pas mon nettoyant quotidien parce que ça m'assèche trop la peau, mais pourquoi pas? Moi de toute façon les savons je m'en sers également pour laver mes pinceaux, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Et ce produit a une valeur de 9,90€. Le deuxième produit c'est de la marque Vitae Cosmetics, il me semble que c'est comme ça que ça se dit. C'est un gommage pour les mains, donc on a un format de 50 ml et voilà à quoi ressemble le produit. Alors cette marque là je la connais pas du tout, je pense qu'on l'a jamais eu dans la Beautiful Box, enfin du moins moi je ne l'ai jamais reçu. C'est pour tout type de peau. Après j'ai de plus en plus de gommages pour les mains et c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on en utilisait avant.
c'est pas un produit qui m'attire comme ça parce que c'est vrai que je ne prends pas spécialement soin de mes mains. Je mets de la crème uniquement quand j'ai des sécheresses ou quand je sens que ça tiraille. C'est vrai que je prends pas la peine de me faire des gommages. Je me dis dans tous les cas, quand je me fais un gommage sur le corps, ça a un effet aussi sur les mains. Donc pourquoi pas, je testerai peut-être ce produit. C'est tout nouveau, donc c'est un petit peu difficile à rentrer dans ma routine, on va dire, mais pourquoi pas. Et ce produit a une valeur de 18 euros. Et le dernier produit de cette routine, c'est de la marque LAU. Donc ça, je connais puisque je l'ai reçu dans le calendrier de l'avant de la Beautiful Box. J'avais reçu justement le gommage pour les mains que j'ai pas encore utilisé. Après, je pense plus l'utiliser en gommage pour les pieds parce que en règle générale, c'est ce que je fais. Les crèmes pour les mains, je le mets aussi sur les pieds, ça fonctionne très très bien. Donc je l'ai pas encore testé. Je connais la marque, mais pas l'efficacité des produits. Donc ça me fera peut-être une routine complète. Je ferai le gommage et puis je mettrai la crème par derrière pour bien hydrater. Donc là, la crème est à base d'aloe vera bio, d'huile de jojoba bio et d'huile d'amande douce. Donc je pense que ça doit être quand même assez bien hydratant. Et on a un format de 30 ml. Donc voilà pour ce produit. Et il a une valeur de 14,90 €. Routine numéro 2 a une valeur de 53 euros et c'est une routine visage. Donc c'est des produits qui me plaisent quand même un petit peu plus. Le premier produit c'est de la marque Botanicae, je sais jamais comment ça se prononce. C'est une eau de soin hydratante. Donc là il y a de l'eau florale bio de rose, de menthe verte et de verveine et de l'acide hyaluronique végétal. On a un format de 50 ml. Donc ça c'est un produit que je vais beaucoup beaucoup aimer. Donc voilà à quoi il ressemble et c'est un flacon en verre. Donc ça c'est cool parce que moi je les réutilise quand c'est des flacons en verre comme ça, je les conserve et je mets mes produits que j'achète sur le site d'Aromazone pour me faire mes petites tambouilles moi-même. Donc très contente en plus d'avoir un petit contenant supplémentaire. Et ce produit a une valeur de 18 euros. Donc ça c'est sûr, vous le retrouverez dans quelques semaines dans mes vidéos produits terminés, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Le deuxième produit, c'est de la marque La Thérapie des Volcans Paris. Ça, on l'a souvent aussi dans la Beautiful Box, cette marque-là. Voilà à quoi ressemble le produit. C'est une crème de nuit naturelle, beurre de karité, huile d'amande douce et huile d'argan. Tous les ingrédients sont bio et on a un format de 30 ml. Donc ça, c'est pareil, c'est cool, une petite crème de nuit. C'est toujours appréciable et cette crème a une valeur de 23 euros quand même. Le dernier produit de cette routine, c'est de la marque Gang of Nature. C'est un baume à lèvres hydratant au beurre de karité. Donc on a un format 4 grammes et ça c'est pareil. Il me semble qu'on a déjà reçu des produits dans la Beautiful Box. Donc ça c'est un baume à lèvres, tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est vrai que ce mois-ci j'en ai reçu quand même pas mal des baumes à lèvres. Donc à voir si je l'utilise parce que j'en ai déjà énormément. Et ça a une valeur de 12 euros quand même. Et on passe à la dernière routine qui a une valeur de 59 euros et c'est une routine maquillage. Donc le premier produit c'est un vernis à ongles de la marque R. On a un format de 11 ml, donc il se présente comme ceci. Et en fait c'est un marron rouge. Je l'ai déjà reçu dans une box, il me semble que c'était dans la Beautiful Box il y a quelques mois de ça. Donc je l'ai déjà testé. C'est une couleur qui est très très jolie. C'est entre le rouge et le marron, vraiment, c'est super beau porté sur les ongles. Moi, j'aime bien les couleurs foncées comme ça, donc je l'ai bien aimé. Au niveau de la tenue, j'ai trouvé qu'il tenait plutôt bien. Après, j'avais mis aussi base et top coat, mais je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et il est au prix de 12 euros celui-ci. Ensuite, on a un rouge à lèvres en forme de jumbo de la marque Beautiful Box. Donc, qui se présente comme ceci. Et au niveau de la teinte, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est un marron rouge. Donc il est aussi très très beau. C'est des couleurs que je porte aussi facilement. J'aime bien. Donc pourquoi pas. Au niveau du patch, on voit bien que ça tire quand même plus vers le rouge. Mais ça a l'air très très joli. Donc ça, je le testerai aussi. Et par contre, ça a une valeur de 25 euros. Je ne suis pas persuadée qu'un jumbo de la marque Beautiful Box vaille 25 euros. Mais bon, pourquoi pas. Et le dernier produit de cette routine et de ce coffret, c'est de la marque DWTN Paris. Donc ça, c'est pareil, on la reçoit très souvent dans la Beautiful Box. Il y a un produit de chez eux que j'adore, c'est le sérum pour les cils. Je trouve qu'il fonctionne super bien. Pourtant, j'étais assez sceptique sur ce type de produit et je suis convaincue à 100%.
Là, on a un blush, donc on a un format comme ceci. On a 25 ml à l'intérieur, donc c'est un blush liquide. Je suis pas spécialement blush, j'en mets pas. Je pense que j'ai pas trouvé le blush qui correspond à ma carnation, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que les blushs liquides, c'est encore plus compliqué. Moi qui ai un petit... Voilà, je débute quand même dans le maquillage. Donc je trouve que c'est moins pratique que les blushs en poudre. Donc celui-ci, je pense pas que je vais le garder. Je vais voir s'il est operculé. Ça a une valeur de 22 euros. Il n'est pas operculé. Et ouais, c'est quand même vachement foncé. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà. Donc c'est quand même vachement foncé. Je pense que ça doit bien s'estomper sur la peau. Mais moi, voilà, j'ai un petit peu de mal avec les blushs liquides. De toute façon, même les autres matières liquides, j'ai un petit peu de mal. Donc celui-ci, je pense pas que je vais le garder. Mais c'est un beau produit. Et cette marque-là, autant il y a des produits que j'adore et des produits que je n'ai pas aimés. Mais vraiment, le sérum pour les cils, si vous l'avez reçu, que vous hésitez à le tester, il fait vraiment des miracles. Moi, j'ai vu mes cils pousser à des endroits où j'avais pas de cils, surtout sur l'intérieur de l'œil. J'ai mes cils qui ont bien poussé, qui ont pris en longueur, en épaisseur. Et surtout, je ne les perds plus quand je me démaquille. Donc ça, c'est top. Je vous le recommande vraiment. Si vous l'avez reçu et qu'il traîne dans vos placards, n'hésitez pas à le tester. Donc voilà pour le contenu de ce coffret Beautiful Box. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que c'est un coffret qui vous intéresse? De toute façon, l'offre va rester plusieurs mois, comme je vous l'ai dit. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à sauter le pas parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Mais surtout, faites bien attention à quelle offre vous souscrivez parce que il y a une offre toujours où il y a très peu d'engagement comme celle que j'ai prise, où il y a 2-3 mois où on est obligé de recevoir les autres box. Et il y a une autre offre qui est toujours avec un engagement d'un an qui est très très attirante, très très attrayante. Mais voilà, on a un engagement derrière, donc selon ce que vous avez envie, faites vraiment attention. Il faut bien lire jusqu'en bas de l'offre où il est précisé engagement 12 mois ou sans engagement ou résiliable après. Moi je sais qu'il était marqué résiliable après le mois de mars, donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. En attendant, je vais vous faire plein de bisous. Et je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo. Et j'ai reçu une nouvelle box bio, donc je vous la présenterai cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.